My bitches all bad, my niggas all real. I ride and stick, cause the big tall hills. Big fat checks, big large bills. Run out flip like 10 car wheels. Cold ass bitch, I give raw shoes. Send it for looks and my looks so kill. I kiss them in the mouth, I feel all grills. Heat in the car, that's what's on wheels. Woo! Ça se promet pas, donc où il faudra maintenir la puissance. Donc, au lieu de le faire en ligne droite et d'avoir un chariot, on le fait avec une côte pour avoir une résistance, pour travailler un peu plus les câbles. Donc on a balayé un petit peu pour essayer d'éviter les foulures ou quoi que ce soit, mais en 160, pardon. Donc, 120, c'est l'autre. Mais en fait, 3x20, 3x40, on fait tout, on recommence. On reste pas 2 mètres par 2. Le côté, quelques montées, pointe de pied. Allez, la sortie c'est un peu devant là. Steph, entraînement spécial aujourd'hui dans le bois de Gramont. Ouais, on a une matinée dédiée au physique, un petit peu orienté pour ceux qui sont venus ici sur un travail intermittent de puissance, donc avec une résistance qui est le pourcentage de la côte. Donc sur des distances assez longues et des répétitions enchaînées avec divers longueurs. Donc pour ce groupe au bois, et après on avait d'autres groupes qui sont restés en haut pour faire du travail au seuil, et d'autres groupes qui ont fait du travail aussi avec une charge avec traîneau, un petit peu selon les besoins individualisés et amener tout le monde au même niveau, puisqu'on a une préparation qui est assez longue, ça nous permet de bien rééquilibrer tout le monde. C'est le choix des joueurs qui viennent ici ou qui restent au terrain, c'est un peu en fonction des états de forme et des besoins de chacun, comme tu dis. Tout à fait. Hein. Il y en a qui ont passé déjà et qui ont validé des étapes qui viennent ici. Il y en a qui ont encore besoin de travailler d'autres choses en amont. Donc on en profite sur cette matinée pour commencer à combler un petit peu et amener les autres un petit peu plus haut. Bien joué. Eux aussi, ils sont trop rapides à chaque fois, regarde. Tu vois, en fait, il faut... Là, avec précision, c'est quoi? C'est des courses avec paliers sur combien de mètres, combien de paliers? On est parti de 40 mètres pour terminer sur 160 mètres, avec à chaque fois une augmentation de 20 mètres. Donc voilà, des paliers qui augmentent sur 20 mètres les distances. Et voilà, on est sur une allure entre 16 et 18,5 km/h pour certains. Donc on allonge là-dessus plusieurs fois. On essaye d'habituer le corps à répéter des efforts qui seront nécessaires sur des efforts de transition en match. C'est pas mal. C'est bon, Ville, on est bien. Allez, 3, 2, 1. Ça va, hein? Plus un peu. Ouais. C'est un peu long, mais ça va, c'est bien. Apparemment, ils sont pas mal parce que tu disais plus souvent qu'ils étaient en avance qu'en retard sur les temps de passage. Ouais, c'était bien. Donc ils étaient en forme ce matin, ils avaient des jambes et ils avaient des distances, des temps de passage un peu plus courts. Donc bon, s'ils étaient bien dans ce rythme, on les a pas freinés, on les a laissés, on leur a juste donné l'indication pour qu'ils gardent le tempo. 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comme m'avait dit, c'est le lot de toutes les périodes estivales, hein, avec les joueurs qui arrivent à différents moments du mercato. Parfois, il va falloir une progression comme tu as fait avec le groupe en début de préparation. Comment ça va se passer un peu? Oui, bien sûr. Donc il est un peu couplé avec Mihailo Ristić aussi, qui est rentré de sa maladie. Donc on a commencé hier à faire un petit test à aérobie avec l'ensemble du groupe et on a commencé à travailler sur ce qu'on avait bossé sur les semaines précédentes avec le groupe, hein, tout ce qui est nécessaire en début de préparation pour bien renforcer l'organisme. Et voilà, aujourd'hui il fait forcément un travail sur le terrain différent et on va l'emmener tout au long de la semaine, on l'intégrera le groupe sur des parties de séance et d'autres parties où il aura du travail complémentaire, où on va insister sur ce qu'on avait fait auparavant avec le groupe, plus bien sûr encore des tests qui vont l'attendre sur la journée de mercredi matin.
À part pour pique-niquer à l'ombre, peut-être ils reviendront dans le bois là d'ici la fin de préparation. On va voir, peut-être. Ceux qui ne sont pas descendus vont revenir. Ceux qui étaient là, peut-être ils auront un travail sur le terrain beaucoup plus orienté sur la vitesse, de façon à ce qu'ils se passent tous sur ce genre de séance avant le premier match amical. Ça commence à piquer un peu là. Ça commence à me faire un peu mal aux jambes. Là. Hein, Pedro ? 8, 9, parfait. Une seconde, c'est bien. Griffon, fligé. Bien joué. C'est vraiment le truc. Alors, Marc, je vais demander à son copain. Mais t'es Olive, il est douce. Le chariot est Pedro. Je m'en fous, j'y vais. Ok, une seconde avance. 12. Une seconde avance, on maintient comme ça, c'est bien sur le rythme. 3, 4, 5, 6, 7, 8, une seconde avant. Ils arrivent quand ? Oh non ! Oh là, hein ! TJ, il est en train d'attraper le maillot ! Pas là-bas, pas. Qu'est-ce qu'il fait, gros ? Allez, allez Vito, allez. C'est Vito. Il y a Vito la prochaine. Allez Vito. Bien joué Vito. 72 ans couillon. Je suis Maxi là. Allez, c'est bien. Ah, monsieur, cet après-midi, il s'est à 30 pour 18 ans. Bravo. 57. On a presque mes matchs, mais c'est pas mal. Vous êtes plus que moi, je crois que vous êtes. Toi, ouais, bon, ça va? Vous êtes bien, ça va. À votre âge déjà, ce que vous faites, c'est déjà pas mal. Ouais. Putain. Et vous aussi, hein. Mais moi je joue pas, moi je prends de tacles, je prends pas d'accélération. Et vous, c'est pareil. Ouais. Non, bravo. Hein. Bravo. Merci. Je suis pas yadé, moi, j'ai été abonné pendant 15 ans. Hein. Je venais vous voir souvent. Ah oui. Et ouais. Non, depuis à Guantanamo, là, je vais plus. Ah oui, excusez-moi le terme. Allez. Je vous laisse les plombs comme ça. Bon les gars, je vais vous laisser travailler bien. Et travailler parce qu'il n'y a que le travail. Bonjour, ok. Il n'y a que le travail qui compte. Le reste, c'est du cinéma.